La plupart des personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi elles ne peuvent pas s'arrêter de manger. Mais ce qui est pire, c'est que la plupart, lorsqu'ils commencent un régime pour perdre du poids, ils se retrouvent dans une situation pire, c'est-à-dire de plus en plus obèses. Aujourd'hui, je vais vous simplifier la compréhension de ce phénomène et partager des choses très très intéressantes avec vous. Globiste, salam alaikum et bonjour à tous les plus francophones. On revient à GM Cours des Z avec l'alphabet de Jamo, la lettre H. Aujourd'hui, on va parler des hormones. Pas les hormones de croissance, pas la testostérone. Tout le monde est déçu déjà, ou la plupart. On parlera de ça lorsqu'on arrive à la lettre T. T pour testostérone et aussi TRT. Je vais élaborer sur le sujet. Je suis sûr que lorsque je parlerai de ça, je vais avoir 100 000 nouveaux abonnés. Sérieux. J'arrête de faire le con. Maintenant, pour les personnes qui viennent tout juste de débarquer chez moi pour la première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne de YouTube. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous allez recevoir mes vidéos lorsqu'elles seront publiées ici. Les deux hormones dont je vais parler aujourd'hui, deux hormones qui sont très très spéciales. Pourquoi je les ai choisies? Parce que la plupart de vous qui sont en train de me regarder font des sèches. Ils se retrouvent dans des situations où ils se comportent comme pas possible. Et aussi, la plupart de vous, soit qu'ils ont un problème d'obésité, ou se retrouvent en train de manger et jamais arrêter de manger. Ils sont en train de prendre du gras comme pas possible. Ils se demandent pourquoi. Maintenant, ces deux hormones dont on va parler sont les influenceuses du gras corporel. Je vous présente mademoiselle leptine et mademoiselle ghréline. Je vais sectionner cette vidéo en trois parties. La première partie, on va parler de la leptine. La leptine, elle est produite dans la graisse. Le plus de graisse vous avez, le plus de leptine vous allez produire. Maintenant, comment elle fonctionne la leptine? Lorsqu'elle est produite, elle va directement par rapport à votre circulation sanguine vers le cerveau. On a assez de gras, on arrête de manger. Elle diminue la faim. Ok? Maintenant, le plus de gras, comme j'ai dit auparavant, le plus de leptine vous allez produire. Le moins de gras, vous avez le moins de leptine vous allez produire. Et je vais vous dire pourquoi après. Aussi, il y a une très grande relation entre votre consommation de glucides et la leptine. Le plus de glucides vous allez consommer, pardon, le plus de leptine vous allez produire. Maintenant, plus de graisse, plus de leptine produite, le moins on mange. Ok? Et le plus votre métabolisme va commencer à fonctionner proprement. Maintenant, le moins de gras, ou moins de graisse, pardon, vous avez, le moins de leptine vous allez produire, le plus vous allez avoir faim et le plus vous allez manger. Ce qui régularise ça, c'est la partie 2, là où je vais passer à la ghréline. La ghréline, elle augmente la faim. C'est exactement lorsque vous avez des fringales comme pas possible et vous retrouvez dans une situation comme ça. Les bruits intergalactiques de famine de l'estomac. On produit plus de ghréline avant de manger et la ghréline diminue lorsqu'on finit de manger. En général, pour perdre du poids, plus de leptine, c'est mieux. Mais ce qui me ramène à la dernière partie de cette vidéo, c'est que je suis sûr que la plupart de vous sont en train de se poser cette question. Si tu nous dis, Jamo, plus de graisse, plus de leptine produite, moins on mange. Comment que ça se fait que les personnes qui sont obèses n'arrêtent pas de manger, ils sont tout le temps affamés? Et bien parce que ces personnes, ils ont développé une résistance à la leptine. Ça veut dire quoi? Les pauvres se retrouvent dans un cercle vicieux. Le cerveau, vous vous rappelez lorsque je vous ai dit, lorsque le cerveau reçoit le signal de la leptine pour lui dire d'arrêter de manger, il en reçoit tellement parce qu'ils ont tellement de gras qu'il ne reconnaît plus ce signal. Ce signal est complètement endommagé. Et c'est là où il développe une résistance à la leptine. Et le cerveau pense qu'il n'y a pas de leptine. Donc, on est dans une situation de famine. Et la ghréline, elle est produite dans l'estomac. Et c'est là où il commence à manger de plus en plus. Donc, il se retrouve dans une situation, plus de graisse, plus de leptine, plus de signal. Le signal, il est tellement envoyé vers le cerveau. Le cerveau ne reconnaît pas le signal. Il croit qu'il est en état de famine, il mange encore plus et ça continue. Maintenant,
Je vais finir avec deux situations ici. La première situation, c'est pourquoi vous vous comportez comme des fous lorsque vous faites un régime. C'est parce que ces deux hormones affectent toutes les autres hormones. Ils sont complètement chamboulés, spécialement chez les femmes. Lorsque la leptine descend, la gréline augmente, l'insuline descend, la testostérone descend, la thyroïde est affectée et votre cortisol augmente. Le cortisol, c'est l'hormone qui est responsable des primes. Et lorsque vous retrouvez dans des situations chez les femmes, retenir de l'eau, même chez les hommes, si vous êtes en train de faire une sèche, vous retenez de l'eau ou vous êtes en train de perdre du muscle, c'est à cause du cortisol. Si les femmes retiennent tellement d'eau, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, c'est à cause du cortisol. Donc revoyez vos hormones. L'autre situation dont je veux vraiment vous parler de, c'est la situation de Shems, quelqu'un de très très spécial qui est arrivé à battre la résistance à la leptine. Regardez-le comment il était auparavant et comment il est maintenant. Shems, je l'ai rencontré l'année passée au séminaire que j'ai fait avec Foukra et on parlait de sa situation. Il avait peur de la bouffe. Il était tout le temps torturé par le fait que la bouffe va lui faire prendre tout son gras. Mais je lui dis une chose, tant que tu t'entraînes, tant que tu t'éduques, tant que vraiment, vraiment tu apprécies des entraînements, ça ne va jamais, jamais arriver. Il y a un an et demi, regardez-le maintenant. Ça veut dire quoi? Pour les personnes qui ont un problème, il y a de l'espoir pour vous. Donc on se focalise sur les choses qu'on doit faire. Je vous invite à télécharger mon application GMCore. Vous allez rencontrer Shems, on va faire beaucoup de vidéos ensemble. Et vous allez découvrir les choses qu'il a fait pour vraiment, vraiment arriver là où il est arrivé. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, mes chers Globis. Laissez-moi un commentaire en bas. Vous voyez, meilleur que la testostérone, les hormones de croissance. I'm